Quelqu'un dit Amen. Avant de t'asseoir, prends le temps de saluer cinq bien-aimés. Salue cinq personnes, cinq majestueuses, cinq excellentes personnes. Prends le temps de saluer avec le sourire et ne t'assieds pas encore si tu n'as pas salué cinq personnes. Sinon, c'est la transgression de la parole. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue ce matin dans cette assemblée d'apparence ordinaire, mais où les adorateurs, les gens extraordinaires, la nouvelle création se rassemblent chaque dimanche pour honorer Sa Majesté, le Roi de gloire, Jésus le Messie. Dis-moi Amen. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour la première fois qui ne comprend pas le langage. Il dit, mais que se passe-t-il ici? Où suis-je? Non, mon ami, tu es à l'ambassade plénipotentiaire et extraordinaire du gouvernement des cieux. Si tu veux, tu es dans une église, tout simplement. Oh Dieu, une église qui est vivante et vibrante par la puissance du Saint-Esprit. Dis Amen. Alors, importante information à donner à toute l'assemblée. Écoute-moi attentivement. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 18. Nous ferons le culte le dimanche 25 par la grâce de Dieu. Dis Amen. Et à partir du lundi 26, nous allons commencer le déménagement. À partir... Attendez. Voilà, tu as bien fait de dire gloire à Dieu. Voilà. Dis Amen. Bon, maintenant, asseyez-vous. Alors, nous allons faire la chose suivante. Nous allons déménager et ensuite nous allons emménager. Donc, ce n'est pas un aménagement. C'est d'abord un déménagement. Donc, il y a plein de choses qui doivent quitter ce lieu pour aller de l'autre côté, notamment dans l'auditorium annexe. Dis Amen. Donc, le dimanche 2 décembre, c'est ça, non? Comment? Hein? Non, dimanche 2 décembre, nous n'aurons pas culte ici parce qu'il n'y aura presque rien. Nous n'aurons pas culte le dimanche 2 décembre, il n'y aura rien. Par contre, nous allons maintenir les temps de prière tout à partir du 26, nous allons maintenir les programmes de prière habituels. C'est juste que tout ce qui est dans la tente, etc., les choses vont déménager. Ça va être un grand mouvement, ça va être un grand déménagement pour aller. Et nous allons commencer notre premier culte à la base, sur notre nouveau site, le dimanche 9 décembre. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors, entre-temps, gloire à Dieu. Donc, nous allons commencer nos cultes. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, tout ne sera pas parfait, c'est clair. De toute manière, on n'a pas besoin de perfection pour vivre. On doit commencer déjà, et puis après, on finira les travaux, je pense. Ça sera terminé d'ici le 31 par la grâce de Dieu. Mais on commencera donc. Si on attend, on ne va jamais avancer. On a dit, bon, on démarre seulement. Si c'est inconfortable, on va se mettre en chemise, il n'y a pas de problème. Jésus n'est pas en colère pour ça, il n'y a pas de problème. Dis Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, le lundi 26, la semaine du lundi 26, nous serons en plein déménagement. Donc, rapprochez-vous de la coordination pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour être utile, pour aider, pour soutenir, pour supporter. Il y aura beaucoup de travail. Amen. Il y aura toutes sortes de travail. Et le dimanche 2, nous ne serons pas là. Mais nous serons là toute la semaine. Et nous allons, après, on verra les instructions qui seront données par la suite par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire gloire à Dieu? Ah oui, il faut le temps de bouger. Nous sommes dans la saison des nouvelles choses. Ah bon. T'inquiète pas. Quand ton corps bouge, ton oreille bouge, tes yeux bougent. Donc quand l'église bouge, mon ami, toi tu bouges aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand l'église bouge, tu bouges. Quand la famille avance, tu avances. Toi dont on avait dit que tout était bloqué dans ta vie, tu vas voir que juste en bougeant là, tu vas bouger toi aussi. Oh, dis Amen. C'est comme ça, c'est un principe spirituel. C'est un principe spirituel. Et pendant tout le déménagement, l'église va continuer à prier. Parce que l'église est beaucoup attaquée, c'est normal. On dérange tellement. Je les comprends. Chacun fait son travail. Eux, ils attaquent, nous, on détruit. Ils attaquent, on détruit leurs œuvres. Et on gagne les âmes pour Christ. Et bientôt, presque tout le Congo. D'abord, toute la ville de Brazzaville. Après, tout le Congo. Le Congo sera gagné à Christ. Et ne méprisez pas les petits commencements. Ne méprisez pas les petits commencements. Ne dites pas, ce n'est qu'un déménagement. Non, ce n'est pas vrai. C'est le début d'une nouvelle ère. Amen. Dieu va vous le montrer. C'est celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Celui qui a des yeux pour voir, qu'il voit. Oh, quelqu'un dit Amen. Nous sommes reconnaissants. Ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, jamais. C'est l'œuvre que le Seigneur lui-même fait.
C'est Jésus lui-même qui bâtit son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Qui bâtit l'église? C'est le pasteur? Mm-mm. Jésus bâtit son église. Et les portes du séjour des morts, c'est-à-dire tous les assauts du royaume des ténèbres, il a dit, ne prévaudront jamais contre mon église. Je suis assez bête comme un enfant, assez naïf comme un enfant pour croire ce qu'il a dit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi quand on me dit, ah oui, le monde des ténèbres est fâché contre vous. Je dis, mais c'est normal, il faut qu'il soit tourmenté. C'est totalement justifié, je les comprends. Même moi, à la place de Satan, je serais inquiet. Et il a totalement raison. Et Jésus a dit, nous saccagerons, nous détruirons plutôt. C'est normal, dis amen. Oh, faut pas être inquiet, c'est normal. Ça fait partie des choses que Dieu fait par sa bonté, sa fidélité, sa puissance. Voilà pourquoi nous nous sommes infiniment reconnaissants. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Donc, pendant toute cette fin de mois, jusqu'au 9 décembre, et même après, l'église va être en prière. L'église sera constamment en prière. C'est pourquoi on va prier, parce qu'il y a des choses qui doivent s'établir. Il y a des choses qui doivent être établies dans ta vie. Il y a des choses que Dieu a commencé, il veut les terminer avant la fin de cette année. Et il va les terminer. Oh oui, ce qu'il avait dit depuis le début, il va le terminer. Donc on doit constamment être en prière. Dis-moi un bon amen. Le matin, le midi, on sera en prière. On sera en prière. On vous donnera des instructions par la suite. Et quand on va aménager là-bas, on va prendre toute la zone. On va dire, les envahisseurs sont arrivés. Quand eux, ils viennent, ils envahissent la zone. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. S'il dit, on ne veut pas d'eux, ils sont là quand même. Ceux qui ne voulaient pas te voir, te verront quand même. Ils ne voulaient pas entendre parler de toi, ils entendront parler de toi quand même. Quand Dieu décide de distinguer quelqu'un, il le fait. Il ne donne pas le conseil de tes parents, de tes amis, il le fait. Voilà, dis amen. Quelqu'un acclame Jésus le Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur. Il est notre. C'est mon notre. C'est notre possession. Jésus, notre Seigneur. Est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce que Jésus est ton souverain? Notre Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus, le Messie. Quelqu'un dit amen. Ok, venez vous asseoir dans sa présence. Nous voulons entrer dans la parole de Dieu. Nous voulons continuer notre thème. Nous sommes toujours sur conquérir notre héritage depuis la résurrection de Jésus. Et nous sommes en train d'engager depuis plusieurs mois maintenant. Quelle force? La force de la foi pour conquérir notre héritage. Est-ce qu'il y a des héritiers de Dieu ce matin? Ah oui, est-ce qu'il y a des héritiers de Dieu dans ce lieu? Mon ami, quand tu réponds, ne t'occupe pas de ton voisin. C'est une affaire personnelle. Quand tu dis, Seigneur, je suis un héritier, il y a des grâces qui viennent par la qualité de ta réponse. C'est tu. Ne t'occupe pas de ton voisin, il n'a rien à te communiquer. Ne t'occupe pas de lui. C'est une affaire de cœur à cœur entre Dieu et sa création. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin? Mon ami. Il nous a dit que si nous sommes enfants de Dieu, alors nous sommes aussi des héritiers de Dieu. Et nous sommes héritiers joints avec le Christ. Ça, c'est notre... Ah, quelle grâce! Et nous avons vu que pour posséder cet héritage qu'il nous a donné en Christ, Dieu nous a tout donné en Christ. Pour posséder cet héritage, il faut engager la force. Et nous sommes en train de parler de la force depuis quelques semaines, quelques mois, de la force de la foi. Parce que tout est possible, toutes choses sont possibles à celui qui a la foi. Et nous avons vu qu'il est très dangereux de vivre avec une petite foi. La petite foi peut permettre de faire des grandes choses, mais elle est dangereuse parce qu'elle ne va pas te permettre de finir ce que tu as commencé. Oh Dieu, quand il commence une chose, il achève toujours. Et il veut que quand toi tu commences, tu achèves toujours. D'où il a dit qu'il nous faut augmenter notre niveau de foi. Passer d'une foi qui est petite ou encore faible à une foi qui est grande. Et depuis quelques semaines, nous sommes en train de voir les ennemis de la foi, les tueurs de la foi, les assassins de la foi. Parce que les gens qui ont une grande foi, dis avec moi une grande foi. Oh, c'est là que Dieu est en train de t'emmener, mon frère. Une grande foi pour vivre une belle et une grande vie. Grande foi, c'est grande victoire. Grande foi, c'est grand résultat. Grande foi, c'est grande performance. Et on t'attend dans ce couloir des grandes réalisations. Oh, quelqu'un dit amen.
Non, c'est fini le temps. On disait que toi, tu ne peux faire que des petites choses. Grande foi, c'est des grandes choses. C'est des grandes réalisations. C'est des grandes percées. C'est le témoignage de Jésus qui parle. Grande foi, c'est des grandes choses avec Dieu. Ça, c'est ton partage et c'est ton héritage. Quelqu'un dit amen. Et nous sommes en train de voir les ennemis de la foi. Et nous sommes en train de regarder, d'étudier un puissant ennemi de la foi qui arrive à détruire la foi. Cet ennemi de la foi qui est si redoutable, on l'appelle l'incrédulité. L'incrédulité, nous avons vu que c'est le contraire de la foi. La foi se manifeste et quand la foi doit se manifester, nous avons vu qu'il y a une force qui s'oppose à la foi. Cette force, on l'appelle l'incrédulité. Elle vient d'un mot grec, apistis ou encore apisteo, qui veut simplement dire détruire la foi. Quand tu veux te lever, quelque chose va te faire asseoir. Quand tu veux nouer, elle va dénouer. Quand tu veux commander, elle va décommander. Et l'incrédulité, il faut absolument savoir protéger son cœur de l'incrédulité. Il faut savoir soumettre, vaincre, écraser, assujettir l'incrédulité. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. C'est une guerre constante entre la foi et l'incrédulité. L'incrédulité ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Non, veut dire que tu as eu la foi, mais quelque chose s'est opposé à ta foi pour tuer ta foi, pour casser ta foi. Un homme qui n'a pas de foi, c'est comme un homme qui a eu une crise cardiaque. Pouh! Il est encore en vie, mais il ne vit plus. Ou il a eu un accident, un AVC. Pouh! Il est en vie, son cœur bat encore, mais il ne peut absolument rien faire. Il faut éviter d'en arriver là. Quand ta foi est morte, c'est ça, tu vis pour rien. Parce qu'on ne peut rien faire sans la foi. Dieu ne fait rien sans la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, impossible d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Satan s'acharne à tuer la foi des gens. Dieu s'acharne à bâtir ta foi. Voilà qu'il dit, n'aie pas peur, ne crains pas, ne doute pas, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Il ne veut pas que ces assassins de la foi viennent paralyser ta vie. Les gens qui avancent, c'est les gens qui avancent par la foi. Les gens qui sont paralysés à cause de leur foi qui a été paralysée. Quand on arrive à tuer la foi d'un homme, on l'a tué. On l'a tué. Accident cardiaque, pouf, tu ne peux plus vivre. Tu respires, mais tu ne fais rien. Même bouger le bras, tu ne peux pas. Te lever, tu ne peux pas. Pourquoi? Tu as été paralysé. Que ça ne t'arrive jamais au nom de Jésus. Mais que toi, on te voit dans la catégorie des gens qui ne font qu'avancer. De conquérir, de repousser des territoires. De faire de grandes choses et de grandes réalisations avec Dieu. Il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que les exploits soient ton partage au nom de Jésus. Mais pour cela, tu dois apprendre à vaincre l'incrédulité. On est en train donc de parler des formes. Il faut reconnaître, il faut savoir reconnaître les formes d'incrédulité. La semaine dernière, nous avons parlé, après avoir parlé des soucis, de la peur, des doutes, etc. Nous avons parlé d'une forme d'incrédulité très importante, souvent négligée, qu'on appelle l'offense. Et on a vu la semaine dernière ensemble, le mot offense vient du mot grec scandalon. Le mot offense veut dire encore être scandalisé. Scandalon veut dire être piégé. Être empoisonné, le mot scandalon veut encore dire être amer, être aigri. Et on a vu ensemble une forme d'offense, parce qu'il y en a plusieurs. Et on va voir les autres aujourd'hui. Mais une forme d'offense qu'on a vu la semaine dernière, c'est la familiarité. Lorsque Jésus est allé chez lui à Nazareth, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il est allé à Nazareth et il n'a pas pu faire de grands miracles. À cause de quoi? De leur incrédulité. Ce n'est pas tout d'avoir la puissance de Dieu en soi. Non! Il faut encore qu'elle se déverse. Elle n'a pas pu se déverser parce que les gens étaient incrédules. Mais qu'est-ce qui les avait rendus incrédules? Ils étaient offensés. Ils ne croyaient pas que quelque chose de bon pouvait sortir du gars avec qui ils ont grandi. Je t'ai dit, mon ami, mon frère, ma soeur, toi aussi de la même manière, ne t'occupe pas de ce que les gens croient ou ne croient pas en toi dans ta famille. Généralement, il a dit qu'aucun prophète, un prophète est toujours méprisé, déshonoré, rejeté dans sa propre famille. Voilà pourquoi quand un prophète, quand quelqu'un est né de nouveau, n'essaie pas de convaincre tes parents, tes proches que je suis né de nouveau, que Dieu m'a sauvé, je veux faire des grandes choses avec Dieu. Ils ne te croiront pas souvent. Ce n'est pas un problème, avance seulement. D'autres personnes croiront en toi, d'autres personnes attendent que tu viennes. Oh, dis-moi un bon amen. Ça n'a pas dérangé Jésus que les gens ne croient pas en lui. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire en toi. Laisse-les seulement. Un jour, ils t'appelleront.
Un jour, ils diront, oh, donc petit, tu as vraiment changé comme ça. C'est pas toi qui dois faire ta publicité. Laisse Jésus faire ta publicité. Oh, reçois ces paroles, puis sois en paix. Dis amen. Ah non, il faut honorer tout le monde. Mais si quelqu'un te méprise, ce n'est pas grave. Rendez-vous dans quelques années. Rendez-vous dans combien de temps? Quelques années. Toi, avance. T'occupe pas de ce qui ne croit pas en toi. Ils ne veulent pas croire que tu vas changer. Ils ne veulent pas croire que Dieu fera de grandes choses avec toi. Ce n'est pas grave. Dieu le croit. Toi, tu le crois. C'est suffisant. Donc, méfie-toi. N'essaie pas de plaire à ta parenté, ta patrie, tes proches. Généralement, c'est eux qui ont du mal à croire que tu as changé. Ils sont trop habitués à te voir comme tu étais hier. Et ils ne veulent pas voir en toi la nouvelle personne. Donc, avance, laisse-les tranquilles. Avance seulement. Un jour, ils te appelleront, ils te solliciteront. Un jour, ils te demanderont. Qu'importe ton âge, je te dis qu'un jour, on te cherchera. Dis, c'est à toi que je pardonne un meilleur amen. La qualité de ton amen détermine la qualité de la grâce qui viendra sur toi. Oui. On te cherchera, frère. On te cherchera. Aujourd'hui, les gens cherchent Yves Castanou pour mille et une raisons. Hier, on me négligeait, frère. Même hier, pour me déposer seulement quand je marchais. Salingo, salingo. Il y avait mon petit sac là quand je cherchais quelqu'un pour me déposer, même chez moi. Personne ne s'arrêtait. Aujourd'hui, quand je marche dans la rue, tout le monde dit, Pasteur Castanou, j'ai dit, oh, Robi Basson, Dare Bori, où étais-tu hier? Ils m'ont méprisé, frère. Ils m'ont méprisé. Aujourd'hui, les mêmes qui m'ont méprisé viennent remplir. Demande audience, j'ai dit, je ne reçois pas. Demande audience, je ne reçois pas. Où étais-tu? Voilà pourquoi toi, tu dois croire aux gens, même quand il n'y a pas de raison de croire. Respecte ton voisin. Respecte ton frère. Oh, dis amen si c'est à toi que je parle. Ah oui. Hein. Tu ne sais pas qui est assis à côté de toi. Donc, faut te calmer. Faut pas dire ils sont mauvais. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. Ah. C'est comme ça. Non, là, Dieu est trop bon. Et là où je bénis Dieu, c'est qu'il ne dit même pas ce qu'il va faire. Donc, il n'avertit pas les gens. Il dit seulement, avance seulement. Mais je vais où, Seigneur? Avant, Abraham. Avance. Dis avec moi, j'avance. Dis avec moi, j'avance. Voilà, avance seulement. Que Dieu accorde de la vigueur à tes pieds, de la vigueur à tes jambes et de la force dans ton cœur pour que tu avances. Si c'est à toi que je pardonne, un meilleur amen. Voilà. Comment ça? Ne méprisez jamais quelqu'un. Jamais. Moi, je ne méprise personne. Respectez tout le monde. Honorez tout le monde. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Dieu est trop sage pour te dire ce qu'il va faire dans la vie de celui qui est à côté de toi. Ouais, ouais. Après, tu dis, oh, si je savais, trop tard. Il ne fallait pas mépriser les gens. Que Dieu t'accorde cette intelligence. Cette humilité. Dis amen. Donc, si les gens sont choqués à cause de ta conversion, de ta marche avec Jésus, ne t'inquiète pas. Voilà, tu avances seulement. Amen. Maintenant, il y a un autre type de vente que je voudrais encore aborder avec nous aujourd'hui. Dis amen et je continue. Dans Marc chapitre 4, verset 16, Jésus nous parle de la parabole du semeur. Il nous parle des différents types de terrains dans lesquels on sème la parole. Parce que l'homme est comparé, le cœur de l'homme est comparé à un champ. L'esprit de l'homme est comparé à un champ dans lequel on vient semer la parole. Mais ce qui m'importe, c'est le verset 16. Le reste, on verra ça une autre fois. Il dit les autres, en parlant du type de semence, et les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux ou encore dans les sols rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils reçoivent la parole d'abord avec joie. Verset 17. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Autrement dit, ils ne tiennent qu'un temps. Ils ne durent qu'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, dis à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Autrement dit, ils sont aussitôt scandalisés. Là encore, le mot utilisé en grec, c'est scandalon. Ils sont offensés
ils sont blessés. Il est intéressant dans ce passage, le Seigneur dit qu'il y a des gens, quand ils entendent la parole, ils disent oui, amen, ils sont contents. Oh, il dit ouais. Le problème, c'est qu'ils commettent une erreur. Ils ne comprennent pas le fonctionnement de l'esprit. Ils pensent que c'est quand on a dit amen que la parole est rentrée. Non, la parole est rentre quand on demeure. La parole est rentre quand on la médite. La parole est rentre quand on l'étudie. Donc le amen là, ce n'est pas tout. Le amen doit venir et après on doit aller étudier la parole. On doit demeurer dans la parole. Il dit, ils n'ont pas de racines. Quand tu entends une parole, tu dois t'enraciner dans cette parole. Tu dois demeurer. Quelqu'un dit amen. Tu dois t'enraciner dans la parole que tu entends. Un chrétien qui vient à l'église tous les dimanches, qui dit amen à longueur de journée le dimanche, mais qui n'a pas de vie avec la parole, qui n'étudie pas la parole, qui ne médite pas la parole, qui ne travaille pas la parole du lundi au du dimanche au prochain dimanche, malgré tes amen, tu es aussi léger qu'un morceau de spaghetti, qu'un moustique spirituel. C'est-à-dire tu ne vaux rien spirituellement. Tu n'as aucune consistance. Tu es plus conduit par le move. Oh, là-bas, c'est le move. Là-bas, quand on dit amen, tout le monde dit amen. Oui, mais moi, quand je dis amen, là, quand je quitte là, je m'en vais étudier la parole. Je sers cette parole. Je réécoute la parole au moins 6-7 fois, le même message. Je dois le réécouter. Pourquoi? Que ce message pénètre mon esprit. Qu'il rentre dans mon cœur et qu'il soit établi dans mon cœur. Si je parle à quelqu'un, dis amen. La qualité de la parole que tu médites détermine la qualité de la vie que tu vivras. Si la parole n'est pas trouvée en toi, tu auras des problèmes. Mais si la parole demeure en toi, parce que la parole c'est la plus grande force créatrice de l'univers. Dieu fait tout par sa parole. Il guérit par sa parole. Il libère par sa parole. Il bénit par sa parole. Il élève par sa parole et son esprit. Dieu fait tout par sa parole. Et dans la parabole du semeur, on dit qu'il y a une deuxième catégorie de gens. Ils ont reçu la parole, mais ils n'ont pas pris le temps de s'y établir. Il faut, au-delà des mouvements, au-delà de l'ambiance, quand tu rentres chez toi, médite la parole. Réécoute la parole. Les gens qui vont loin, c'est des gens qui écoutent constamment les enseignements. Ah, comprends ce que je suis en train de te dire au nom de Jésus le Christ. Oh, dis amen. Il dit, il y en a, ils n'ont pas pris racine et ils manquent de persistance. C'est-à-dire, ils tiennent que pour un temps. Et comme tout ce que tu entends, tu seras confronté. La vie est faite de challenges. Il y en a pour qui les challenges, c'est rien. Ça vient, ils surmontent les challenges. Il y en a pour qui les problèmes viennent, oh non, et te mettent KO. Ça ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Il y en a quand ils entendent les problèmes, les tribus. Il y en a même qui ont peur des épreuves. Oh. Comment quelqu'un peut avoir peur des épreuves? Ça peut dire que ton niveau de foi est trop faible. Quand on cherche la parole en toi, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a qu'une goutte de parole. D'autres là-bas, c'est des montagnes, des conteneurs de paroles. Que ce soit ton partage au nom de Jésus le Christ. Dis amen. Oh. Il dit, dès que vient une tribulation, donc une persécution ou une tribulation à cause de la parole, qu'est-ce qui se passe? La parole que tu as écoutée, tôt ou tard, tu seras confronté entre obéir à cette parole et désobéir à cette parole. Adam avait écouté une instruction et il a été confronté à l'instruction qu'il a reçue. Il a désobéi. Vas-tu obéir à la parole que tu as écoutée ou pas? Exemple, il y a des gens ici qui ont entendu une parole sur la prospérité financière, sur les finances. Il y en a qui contestent, mais on ne peut pas contester la parole. Donc on te parle, par exemple, tu as entendu un enseignement. Tu as entendu une parole qui t'a été enseignée sur les finances, sur l'importance des dîmes, l'importance, on paye jamais la dîme, on donne la dîme et on la donne avec joie, entre parenthèses. Moi, quand quelqu'un me dit paye ta dîme, je ne comprends pas, c'est pas un mot biblique, c'est comment on peut payer la dîme? On offre, on donne à Dieu ce qu'on a, on donne, d'ailleurs on donne tout ce qu'on a, dis amen. Donner la dîme, donner les offrandes. Il y en a qui sont pas à l'aise avec ça. Oh non, 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 moi, je ne donne pas. Moi, j'ai escroqué une fois. Ok, d'accord.
Et puis, il y en a qui sont à l'aise avec le fait de donner. Mais mon point, c'est qu'on entend des messages et on veut réagir avec le message. On veut appliquer la parole. Donc, quand on a dit donner, il y en a qui ont commencé à donner la dîme, donner à Dieu leur dîme, donner les offrandes. Et puis après, au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte, mais je donne, mais je suis toujours endetté. Il y en a qui ont, pendant les temps d'offrande spéciale dans certaines assemblées, ils ont donné tout ce qu'ils avaient et puis finalement, se sont retrouvés dans les dettes. Le foyer tout entier a été endetté. Et alors, inconsciemment, ton cœur a été aigri. Tu es rentré dans l'aigreur. C'est ce qu'on appelle l'offense. Tu as été offensé dans ton cœur. Tu as dit, mais je ne comprends pas. Je paye, je donne ma dîme. J'ai donné des offrandes. Pourquoi je n'ai pas de travail? Pourquoi ça ne marche pas? Je ne comprends pas. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, je ne donnerai plus jamais rien. Et quand on dit... pilier du royaume, offrande, voleur mouyipi. Tu sais pourquoi? Parce que tu as été offensé, tu as été blessé par des expériences passées. Les blessures viennent toujours du passé. Quelqu'un dit amen et je continue. Donc il y a des gens qui, alors que d'autres personnes, quand ils ont donné, ils ont été endettés parfois. Parce que tu sais, après la semence, il y a toujours une phase. Ce n'est pas la récolte tout de suite, c'est faux. Après la récolte, après la semence, en attendant la récolte, il y a toujours l'attente. Il y a toujours... On n'a jamais vu quelqu'un semer et puis tout de suite... Non, ce n'est pas possible. Non. La plupart du temps, ça peut arriver. Il peut te faire récolter instantanément parce que Dieu est puissant pour faire ce qu'il veut. Mais la plupart du temps, quand Dieu veut t'enseigner, il va t'apprendre à semer et puis à attendre. À semer. Je veux un enfant tout de suite. Ok. Tu es enceinte aujourd'hui. Tu vas accoucher demain. Tu vas accoucher des spaghettis. Donc, à ta place, j'attendrai. Je protège. J'arrose ma semence jusqu'à ce que 9 mois plus tard, pas 10, 9 mois, ça te donne ton bébé que tu attendais. Si je parle à quelqu'un, dis amen. Donc, beaucoup n'ont pas compris ce mécanisme parce qu'ils ne sont pas encore, ils n'ont pas assez médité la parole de Dieu. Dans l'euphorie, il pensait que quand je donne, tout de suite, je reçois. Non, il y a d'abord l'attente. Donc, il est devenu aigri. Ton aigreur vient du fait que tu ne connais pas les lois de Dieu. Tu ne connais pas les principes de Dieu. Tu ne connais même pas la pensée de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y en a qui sont devenus des spécialistes de juges dans l'église. En train de critiquer. Oh, là-bas, ils font des offrandes. C'est des escrocs. Non, c'est pas des escrocs. Bon, il y a quand même des escrocs. Excusez-moi. Il faut aussi reconnaître ce qu'il faut reconnaître. Quelqu'un dit aïe. Il y a des escrocs partout. Mais parfois, ce n'est pas des escrocs. C'est juste des principes spirituels. Donc, beaucoup ont été offensés. Et quand on a été offensé, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire parce qu'on est blessé. On se méfie de tout le monde parce qu'on est blessé. Parce qu'on n'a pas compris comment Dieu travaille. Dieu veille sur sa parole. Toujours sur sa parole pour l'accomplir. Si quelqu'un me suit, dis amen. Il y en a d'autres qui ont entendu un message sur la guérison divine. Ça, c'était mon cas à moi aussi. Tu as entendu que Jésus a porté nos blessures, nos maladies, nos souffrances. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as entendu que quiconque croit en lui ne sera pas confondu. Et tu as eu foi pour la guérison. Tu as entendu, tu as dit, alors je vais croire en Jésus pour la guérison. Et puis finalement, tu n'es pas guéri. Ou tu as prié pour quelqu'un qui n'a pas été guéri. Et même mieux encore, la personne pour laquelle tu as prié avec beaucoup d'ardeur au nom de Jésus. Elle est décédée. Là, tu as pris un coup. Aussi, je parle à quelqu'un, dis amen. Non, ça arrive à tout le monde. Dans le zèle, on va prier pour quelqu'un, on prie avec, on croit. Poum! Le gars, il meurt. Mais qu'est-ce que j'ai fait alors? Mais ta parole ne marche pas. Si, la parole marche toujours. Parfois, c'est le niveau de foi. Tu es comme quelqu'un qui essaie de porter quelque chose qui pèse 100 kilos, alors que ta force musculaire ne peut porter que 50. Ta foi n'est pas assez suffisante pour porter. Et tu croyais que ta foi allait déplacer la montagne. Non, Dieu connaît le niveau de ta foi. Il y a beaucoup de choses que tu essaies de bien faire, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? La foi n'est pas suffisante. Tu n'as pas encore assez médité la parole. Oh, si je parle à quelqu'un, dis amen. Il a dit, si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. La foi augmente, mais à des niveaux où elle n'est pas encore là où tu penses qu'elle est. Et voilà pourquoi parfois tu as eu des échecs. Mais beaucoup de gens ont été blessés, offensés, parce qu'ils ont prié de tout leur cœur et ils n'ont pas vu le résultat. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas fidèle. Dieu est toujours fidèle.
Dieu a permis. Tu sais pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi. Je poserai la question au Seigneur et tu remarqueras qu'il ne te répondra pas non plus. Ah non, Dieu est un roi, il n'est pas ton petit copain. Dieu n'est pas là pour rendre compte. Alors j'ai fait ça parce que. La plupart du temps, quand je pose les questions, souvent je n'ai pas beaucoup de réponses. Sur les pourquoi de la vie. Pourquoi un tel est mort? Pourquoi j'ai pris, ça n'a pas marché? Pourquoi? Parfois, il ne te répond pas, mais un jour, tu comprends la réponse. Ça peut être en écoutant un message, ça peut être l'Esprit de Dieu qui te parle. Quelqu'un dit Amen. Dans certains cas. Donc, tu vois, en écoutant la parole, en recevant la parole avec joie, on décide d'obéir à cette parole. Mais si on n'a pas pris assez de racines, on n'a pas pris le temps de méditer cette parole, on peut être choqué. Parce que la parole, finalement, ne marchera pas comme on avait pensé qu'elle marcherait. Tu as entendu un message sur l'amour de Dieu, on t'a dit qu'il faut aimer. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui était habitué à aimer. On te dit, mais non, il faut aimer tout le monde. Or, aimer, c'est un risque. Ah oui, aimer, c'est un risque. Hein? Mais aimer, c'est un commandement. C'est le premier des plus grands commandements. En fait, c'est une ordonnance. On aime par plaisir, on aime par nature. Mais aimer, des fois, quand tu aimes les autres, ils ne vont pas forcément t'aimer en retour. Ah non, hein? Ah non, ah non. Il n'a pas dit aimer et vous serez aimé. Non, il a dit aimer vos ennemis. Ah oui. Hein? Il n'a pas dit aimer et on vous aimera. Non. Ça, c'est écrit nulle part. Par contre, quand tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Mais on ne récolte pas forcément là où on a semé. Non, je peux t'aimer. Toi, tu me aimes, mais là-bas, on va m'aimer. Là-bas, ils vont m'aimer. Parce que moi, je t'aime. Toi, tu me donnes la haine, c'est pas grave. Là-bas, ils m'aiment. Et ils sont nombreux à m'aimer. Toi, tu me dis, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Hein, c'est ça. Donc, tu as entendu la parole sur l'amour et tu as réagi, tu as décidé d'aimer. Et parfois, tu as été trahi. Mais la vie ne s'arrête pas à la trahison. Dis Amen. Amen. Il y en a parce qu'ils ont décidé d'aimer, ils ont été trahis. Et ils ont décidé de ne plus jamais aimer. Désormais, je fermerai mon cœur. Je ne donnerai plus rien du tout. Non. Tu sais pourquoi tu réagis comme ça? Parce que tu as été blessé. Mais pourquoi tu as été blessé? Parce que ta foi est attaquée. L'offense, c'est de l'incrédulité. C'est une forme d'incrédulité. Et quand tu manifestes l'incrédulité, donc l'offense, ta foi est en train de mourir. Dis Amen et je continue. Dis Amen et je continue. Satan attaque la foi en suscitant, en créant l'incrédulité. Est-ce qu'on peut continuer? Crois en la parole de Dieu. Mais prends le temps de demeurer dans la parole. On t'a dit, vis selon Matthieu 6, 33. Vis selon Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord les intérêts du royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Tu n'as pas encore vu de toutes choses. Persévère. 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 Oui, mais moi je prie maintenant tous les jours à midi en prière. Ça ne change toujours pas. Ne te relâche pas. Persévère. Tiens bon, ne lâche pas. Mais moi je croyais qu'en priant pour les autres, mon cas allait être réglé. Oh, parce qu'on l'a dit ça. Mais Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit, il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Il a dit et il le fera. Mais il attend de toi un peu d'endurance. Notre génération veut tout instantanément. La patience n'est plus notre point fort. On veut tout maintenant, hier et là, tout de suite. Non, Dieu, c'est le Dieu des 16 ans. Tu sèmes, tu attends et tu récoltes. Oh, dis Amen. Sème tes prières pour les autres. Il y a un temps d'attente. Ah, on veut tout tout de suite. S'il y a des choses que Dieu te donne, tu ne pourras pas supporter. Tu n'es pas prêt. Et lui, il sait que tu n'es pas prêt. Oh, t'inquiète pas, mon frère. Là, je peux te faire tout un livre. Seigneur, bénis-moi, élève-moi. Tu n'es pas prêt. Ton cœur n'est pas prêt. Ton cœur n'est pas encore prêt. Tu vas prendre des coups pour rien. Tu n'es pas prêt. Calme-toi. Oh, travaille pour les intérêts du royaume. Prie pour les autres. Prie pour les autres. Arrose les autres par ta prière. Mais ça ne marche pas. Ça va marcher. Ça va marcher. Tu es dans le processus, ce qu'on appelle la persévérance. Oh. As-tu déjà vu quelqu'un remporter une médaille sans avoir atteint la ligne d'arrivée? Non. Jamais on donne une médaille à quelqu'un qui a dit franchis au moins la ligne d'arrivée. Toi, tu as arrêté, tu dis je suis fatigué. Avance. Vraiment. Notre génération a beaucoup de problèmes, il faut que ça change. Ils vont retrouver la conscience de la parole de Dieu et de la persévérance. La foi persévère toujours. Dis-moi un bon Amen.
Voilà pourquoi il dit, mais bien-aimés, hein, Corinthiens 15, 58, il dit, soyez fermes, soyez inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre récompense, votre travail ne sera pas sans intérêt, ne sera pas vain dans le Seigneur. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour semer, il y a aussi un temps pour récolter. Et entre les deux, il y a toujours un temps d'attente. Ça peut durer une seconde, un jour, une année, 10 ans, mais il y a un temps d'attente. Mais quand tu récoltes avec les intérêts composés, des intérêts composés selon l'attitude que tu as eue pendant la durée de l'épreuve. Dis amen et je continue. Il y a un autre type d'offense très important. J'ai parlé de l'offense qui est due à cause de la parole. Donc quand tu entends la parole, prends le temps d'aller réécouter cette parole, de laisser cette parole demeurer en toi. Comment ? En l'écoutant, en la réécoutant, en la réécoutant, en la réécoutant, en la réécoutant. Quand tu la réécoutes, elle demeure, elle mange. Tu manges, ton esprit mange. Quand la parole est pleinement établie en toi, ce qui sortira de toi, c'est seulement le « il est écrit ». Il est écrit. Au jour de l'adversité, qu'est-ce qui se passe ? Il est écrit. Mauvaise nouvelle, il est écrit. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Tu ne réagiras pas comme tout le monde. Pourquoi ? Ce qui rentre, c'est ce qui sortira. Si la parole est rentrée, la parole sortira de toi. Et la parole, elle est créatrice. Oh, quelqu'un dit amen. Amen. Il y a un autre type d'offense très important. Dis avec moi, continue. Les offenses, les blessures, les scandales qui surviennent à cause des coups, à cause des coups, à cause des difficultés, à cause des circonstances qui te font mal, à cause des choses qui te brisent, à cause des choses que tu endures, à cause des expériences qui t'ont fait mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà eu mal dans la vie? Est-ce que, non, soyons sérieux. Est-ce que quelqu'un peut le... Si c'est ton cas, lève ta main. Si tu as déjà eu mal quelque part, tu as déjà eu mal. Bon, si ce n'est pas ton cas, si tu n'as jamais eu mal, tu n'as jamais eu de coups, de douleur, lève ta main. Non, oh, on est ensemble. Parfois, la vie, mon frère, dans la vie, parfois on encaisse des coups. Parfois, on subit des coups. Et je vous dis une chose. Si tu n'es pas conscient, si tu ne fais pas attention, les coups que tu subis dans la vie peuvent te rendre très amer. Les coups, comprends? Dis avec moi les coups. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il est un grand homme. Montre-moi un grand homme. Je te montrerai un homme qui a eu des coups. À commencer par notre modèle, Jésus de Nazareth. Tu veux aller dans le sommet, sans coup, sans persécution, sans blessure, sans trahison, impossible. Impossible. Plus tu montes, plus tu as des pressions. Plus tu t'élèves, plus il y a des attaques. Plus il y a de l'adversité. Oh, il a dit amen. Oh. Et je te dis, quand tu encaisses des coups, si tu ne fais pas attention, tu peux devenir très amer, très blessé, très offensé. Quelqu'un dit amen. Exemple, la perte d'un parent proche, la perte d'un ami ou d'un parent proche, mais une perte subite, une perte instantanée. Un jour, on nous parle de l'histoire de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, la famille, les amis très intimes de Jésus. Un jour, on a dit à Jésus, Lazare, ton ami, Lazare, celui que tu aimes, est malade, il est sur le point de mourir. Lazare, il n'était pas loin. Jésus n'était pas loin. Jésus est resté encore pendant 4 jours. Il n'est pas allé au moment où on pensait qu'il allait aller. Il est resté calmement, il attendait. Et puis le 4e jour, il dit, bon, allons, Lazare est mort, allons le réveiller. Et là-bas, Marthe et Marie, mon frère, je suis désolé, elles aimaient Jésus, elles connaissaient Jésus, mais elles aimaient aussi leur frère. Et pour elle, leur frère ne devait pas mourir. Ce n'était pas le moment de mourir. Non, pas lui. Il ne va pas mourir. C'est mon frère. Et Jésus est arrivé le 4e jour. Et Lazare était déjà mort. Mon frère. Seigneur, viens. Il n'est pas venu. Et Lazare est mort. Et le 4e jour, quand ils arrivent, à peine Jésus arrive. Dès qu'on voit Jésus, elle court vers Jésus. Même pas bonjour. Elle était pleine d'amertume. Elle dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle blâme le Seigneur pour la mort de Lazare.
Est-ce que c'est Jésus qui l'a tué? Les gens amers blâment les autres pour ce qui leur arrive. Les gens qui sont blessés, qui sont offensés. C'est ta faute si je n'ai pas étudié. Oh. C'est ta faute si j'ai joué l'examen. Peut-être qu'ils ont contribué à ton échec. Mais le premier responsable, ce n'est pas eux. C'est d'abord toi-même. Mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Oh, quelqu'un dit amen. Les gens qui sont blessés, qui sont offensés, tu vas te rendre compte d'abord, ils sont ingrats. Même pas bonjour. Même pas merci d'être venu. Même pas bienvenue. Tout de suite, si tu avais été là, blâme les autres. Accuse les autres. Pour les mal, quand tu es en train d'accuser tout le monde pour tes propres malheurs, tu es blessé. Donc tu es offensé. Tu es empoisonné. Tu es piégé. Parce que pour toi, là où tu es, c'est les autres. C'est toi-même d'abord. Il a dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Bon, si tout n'est pas possible pour toi, mon frère, c'est peut-être un problème avec ta foi. Oui, mais ils ne m'ont pas aidé. Oui, mais ta foi a un problème. La foi de Dieu ne compte pas sur les autres, elle compte sur la parole de Dieu. Toi, tu as mis ton espoir dans les autres. Ils n'ont pas été là quand tu avais besoin d'eux. Mais ne blâme pas, blâme-toi toi-même, c'est ta foi. Mon ami, tu n'aimes pas cette nouvelle, hein? Je sais, ce n'est pas grave. Non, il y en a qui n'aiment pas. Oh non, non, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de tout ça. Non, ce n'est pas ma faute, c'est ta faute. Et t'as lié. Voilà. Mambiangé, monsieur. C'est toi. Comment les autres? Oh, quelqu'un dit amen, je continue. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amer. Les gens amers blâment les autres. Et les gens amers ont un langage amer. Le langage est... Quand tu parles à quelqu'un, ils te disent... il est amer. C'est-à-dire, il est empoisonné. Quand il parle là... tu es empoisonné. Ta foi a été tuée. Il y a des gens, tu vois l'autre marcher. Là, c'est pourquoi? C'est le langage de quelqu'un qui est empoisonné. Quelqu'un dit amen. Ne cherche pas. Quand tu as quelqu'un qui te dit, il veut montrer quoi? Tu n'as pourtant rien dit, hein? On dit, tu veux montrer quoi? Celui qui t'a posé la question là, il est empoisonné. Il est offensé. Il est piégé. Sa foi a été assassinée. C'est la foi, c'est toujours la foi. Satan attaque là, mais en fait, ce n'est pas là qu'il attaquait, c'est la foi qu'il est en train de l'attaquer. Oh, dis amen et je continue. Pourquoi es-tu offensé, Marie? Pourquoi es-tu offensé, Marthe? Je suis arrivé en retard, c'est vrai. Mais ne sais-tu pas que je suis la résurrection et la vie? Avec moi, il n'est jamais trop tard. Avec moi, je ne suis jamais en avance, je suis jamais en retard. Marie, je suis la résurrection et la vie. Marie ne connaissait pas Jésus comme étant la résurrection et la vie. Des fois, Dieu veut se révéler à toi d'une nouvelle manière. Il va permettre que tu vives des choses bizarres. Mais c'est afin de se révéler à toi d'une nouvelle manière. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Oh, il dit, celui qui croit en moi vivra. Elle n'avait jamais entendu Jésus parler dans cette dimension. Celui qui croira en moi vivra, même quand il mourra. Est-ce que tu crois? Et quiconque vit et croit en moi ne meurt jamais. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu es conscient de cela? Marie dit, ah bon? Mais je ne te connaissais pas dans cette dimension. Il dit, voilà pourquoi je ne me suis pas manifesté avant. Je me manifeste maintenant que tu me découvres sur un nouveau visage. Ainsi parle le Saint-Esprit. Il y a des choses que tu attends qui n'a pas fait comme tu espérais. Mais il veut se révéler à toi d'une autre manière. Dieu se révèle de tellement de manières. C'est comme les couleurs arc-en-ciel. Quand tu as vu qu'il était rouge, il change, il devient violet. Quand tu penses qu'il est violet, il devient jaune. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la diversité. Le Dieu de la plénitude. Le Dieu des profondeurs. Oh, dis amen. Oh. Le Dieu des profondeurs. Oh, oh. Ce Dieu-là, il est magnifique et il est merveilleux. Il dit, ne sois pas amer. Et puis quand il dit, bon, où l'avez-vous enterré? Où l'avez-vous mis? Il dit, Seigneur, Seigneur, il est là-bas. Il dit, ôtez la pierre. Je suis venu me révéler à vous d'une nouvelle manière.
Ma fille, je veux que tu me comprennes d'une nouvelle manière. Que tu aies de moi une nouvelle manière. Que tu fasses confiance à moi dans une autre dimension. Que tu passes de l'autre côté. Que ta foi augmente. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Et elle dit, oh, ôtez la pierre. Hein? Mais Seigneur, il sent déjà. Mais ce n'est pas un problème de senteur. Je te dis, ôte la pierre. Et là, le Seigneur lui dit, ne t'ai-je pas dit? Il ramène l'équation dans un problème de foi. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois. La condition c'est, si tu crois. T'as vu? On revient encore au problème de foi. Marie, si tu crois, tu verras la gloire, la splendeur, la percée, le miraculeux. Mais pour ça, c'est si tu crois. Si tu ne crois pas, il n'y a rien. Mais si tu crois. Oh, gloire à Jésus. Le Messie. Il ne s'est pas laissé envahir par les émotions négatives. Il voulait leur montrer quelque chose. Des fois, il n'a pas expliqué pourquoi il était en retard, entre parenthèses. Ne t'attends pas à ce que Dieu te dise pourquoi il s'est manifesté que maintenant. Pourquoi il a laissé certaines situations périr. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et toi, tu dois lui faire confiance. Indépendamment de ce que tu vois, de ce que tu entends, il veut que tu lui fasses confiance. Ne blâme pas Dieu. Les gens amers blâment Dieu. Pourquoi blâmes-tu Dieu? Pourquoi tu blâmes Dieu pour tes malheurs d'autrefois? Pourquoi tu blâmes Dieu pour tes échecs? Pourquoi tu blâmes les autres? Non. Dieu est assis sur son trône très élevé. Le pan de sa robe remplit toute la terre. Il est le Dieu de toute chair. Il est le juge de toute la terre. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. Il n'est pas ébranlé. Il y a des choses qu'il a permises, mais ce n'est pas lui qui est à l'origine. Parfois, souvent même, c'est l'ennemi invisible qui est à l'origine. Oh, si je parle à quelqu'un, dis amen. Tu connais l'histoire de Naomi? Il y a un livre dans la Bible, après le livre des juges. Un livre petit, quelques 4 chapitres seulement, mais ô combien profond. Un livre avec une femme qu'on appelle Naomi. 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 Elle avait un mari qu'on appelait Elimelech. Naomi, une bonne femme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu. Parfois, tu sais, les gens qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, peuvent aussi passer par des circonstances compliquées. Hein? Elle avait un mari, Elimelech. Elle avait 2 enfants, 2 fils avec cet homme. Il y a eu la famine en Israël et ils sont partis habiter dans le pays de Moab. Et quand ils sont allés dans le pays de Moab, ils se sont retrouvés là-bas. Et quelques années dans le pays de Moab, Naomi, son mari est mort. Oh! Son mari est mort. Quelle tragédie. Elle aime Dieu, elle craint Dieu. Son mari meurt. Et elle prend ses 2 filles, ses 2 belles filles, avec ses 2 enfants. Elle est restée dans le pays de Moab, on ne sait pas combien de temps. Mais on sait qu'au bout de 10 ans, ses 2 enfants sont morts. Elle ne savait pas que ce n'était pas Dieu. Naomi a commencé à blâmer Dieu pour ce qui lui arrivait. Là, ce n'était pas Dieu. Un esprit de mort frappait la famille du monsieur. Le père meurt. Premier fils meurt. Deuxième fils meurt. Mais ce n'est pas Dieu. Mais à l'époque, elle n'est pas la lumière. Même aujourd'hui, toi, tu n'as pas la lumière. Tu penses que c'est Dieu. Dieu n'est pour rien. C'est un ennemi qui est derrière. C'est un ennemi invisible, un destructeur. Un esprit de mort qui frappe, frappe, frappe. Alors Naomi, elle décide de quitter le pays de Moab. Elle laisse ses 2 belles filles. Mais parmi ses 2 belles filles, il y en a une qui s'appelle Oprah. Orpah, puis une autre qui s'appelle Ruth. Hé, hey, Ruth. Que toutes les femmes de ici, ce soient des femmes, soient comme des Ruth. Une femme d'honneur. Une femme excellente. Une femme loyale. Une femme diligente. Une femme avec un bon cœur. Que cette grâce de Ruth soit sur toutes les femmes de ICC au nom de Jésus. Oh! C'était une femme étrangère. Mais elle a décidé de faire, de mettre sa foi dans le Dieu de Naomi. Dans le Dieu de qui? Naomi, qui est le Dieu d'Israël. Mais ce qui m'importe dans ce récit, c'est que Naomi, elle a tellement souffert qu'à un moment donné, elle est rentrée chez elle à Bethléem avec Ruth. Et quand Naomi est repartie avec Ruth, dans Ruth chapitre 1, au verset 20, quand les femmes de la ville ont commencé à voir Naomi, les gens commençaient à dire, hey, est-ce là Naomi? Est-ce là Naomi? Ils avaient entendu que la femme avait perdu son mari, ses 2 enfants. Et il dit, est-ce toi Naomi? Ne m'appelez plus Naomi! Naomi veut dire la belle, l'heureuse, la gracieuse. M'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, amère, aigrie. Ça veut dire la femme amère, la femme meurtrie, la femme affligée, la femme en deuil.
Elle dit, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Naomi blâme Dieu parce que son mari est mort. Ses enfants sont morts. Pourquoi tu blâmes Dieu? Ce n'est pas Dieu qui est responsable. C'est Satan qui est responsable. Naomi était ignorante. Oh, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, la bonne nouvelle du récit de ce livre de Ruth, c'est que la femme qui était amère est redevenue Naomi. La femme heureuse, la femme joyeuse, grâce à sa belle-fille, femme comme Ruth. Que les hommes épousent des femmes comme des Ruth. C'est-à-dire, quand tout va mal, elle dit tiens bon. Quand tu n'as rien, elle te dit tiens bon. Quand tu es paumé, elle te dit tiens bon. Quand tu perds ton travail, elle te dit tiens bon, mon mari. Oh, que cette grâce soit sur les femmes de ICC au nom de Jésus. Oh, dis Amen. Oh! Des femmes d'honneur. Il y a des femmes, dès que ça chauffe, ah, mais ton véhicule là, franchement, hein, je n'aime pas ta voiture. Pas parce que la voiture comme la voiture de l'autre là-bas. Misérable femme. Je t'égorgerai moi-même s'il le fallait. Une femme sage, une femme d'honneur, une femme vaillante, elle soutient son mari. Comme ma femme m'a soutenu quand tout le monde me rejetait, elle soutient son mari, elle fortifie son mari, elle aide son mari. Oh, elle reçoit cette grâce au nom de Jésus le Messie. Dieu a restauré Naomi comme tu ne peux pas imaginer. Et cette Naomi, avec à cause de la grâce qui était sur Ruth, à cause de l'attitude de Ruth, est devenue, elle est une femme étrangère. Ruth est rentrée dans la lignée du Messie, d'abord de David et du Messie. C'était un honneur pour les Juifs d'être dans la lignée de Jésus-Christ, dans la généalogie de Jésus-Christ. C'était un honneur et un privilège immense. Ruth, une étrangère, à cause de sa foi et de son bon cœur, s'est retrouvée dans la lignée de David et de Jésus le Messie. Oh, dis gloire à Jésus le Christ. Oh. Mais quand tu vois son histoire, ça commence par une tragédie, un drame, situation désespérée, impossible. Il est le Dieu des impossibilités. Ça te monte jusqu'avec Dieu, quelle que soit la manière dont tu es aujourd'hui, où tu es aujourd'hui, ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Mon ami, il y a une vie après les tragédies. Oh, dis Amen. L'offense, l'offense. Est-ce que tu sais à quel moment l'offense se forme dans le cœur de quelqu'un? La blessure ou le piège ou à quel moment ça se forme, l'amertume dans le cœur de quelqu'un? L'offense se forme généralement lorsque, est-ce que je peux te le dire? Lorsque les coups, les difficultés, les coups que tu prends dans ton homme extérieur ont fini par empoisonner, contaminer la personne que tu es à l'intérieur. Parce que tu vois, pas parce que je prends des coups, j'entends des choses, je subis des choses, que je suis obligé de devenir comme ce que j'entends. Non. Mais quand ce que tu entends commence à affecter l'homme intérieur, ton cœur, lorsque ce que tu entends, ce que tu vis, commence à te faire trop mal, aussi maintenant, ah là maintenant, tu es contaminé. Voilà pourquoi je dis que ça, faut faire attention, frère. Parce que là, on parle des choses, chacun de nous est à un certain niveau. Mais il y en a qui ont pris beaucoup de coups. Il y a des jeunes qui prennent des coups beaucoup. Trop tôt. Ça veut dire que tu veux faire de toi quelqu'un de grand. Montre-moi la qualité des coups que tu prends. Je te montrerai la qualité de la vie que tu vas vivre. Il n'y a pas de gloire sans histoire. Il n'y a pas d'élévation sans... Non, il n'y a pas d'élévation sans persécution. Oublie ça. Oublie cette histoire. Dis Amen. Lorsque quelqu'un... Tu sais, hein? Il y a des choses qu'on vit des fois, ça te donne des coups. Hein. Tu cherches du travail, ça fait longtemps, tu ne trouves pas du travail. Même ta belle famille maintenant te trouve bizarre. C'est des coups. Ou lorsque tu étais un grand cadre, tu avais un poste très élevé, du jour au lendemain, tu perds tout. Et depuis longtemps, tu as tout perdu. Et on se demande, est-ce qu'il va redevenir comme hier? Est-ce qu'il va retrouver encore son statut d'autrefois? Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais, oublie ton statut d'autrefois. Dieu a un statut pour maintenant à te communiquer. Dieu a une grâce pour maintenant à t'accorder. Oh, si je parle à quelqu'un, dis Amen. Les gens qui se battent, je vais tout faire pour retrouver le statut que j'avais hier. Non, hier est mort et enterré pour toujours.
tu avais des avantages hier, ils sont morts, tu en auras demain. Bénis Dieu de ce que ceux-là, ils sont déjà morts. D'autres viendront demain, mais ça dépend de ton attitude. Quelqu'un me dit amen. Trop de gens, surtout au Congo, se battent pour paraître comme s'ils n'avaient pas pris un coup, comme s'ils n'avaient pas perdu. Tu sais pourquoi? Tu es tellement empoisonné que tu fais tout pour garder le fameux standing, garder la même maison alors que tu n'as plus de loyer pour payer quoi que ce soit. Mon ami, c'est de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Il va s'opposer à toi. Des fois, Dieu dit, accepte parfois de perdre. J'ai découvert, je disais à quelqu'un cette semaine, Dieu ne ressuscite pas celui qui n'a pas été crucifié. Il faut être crucifié, il faut être enseveli. Et ensuite, on est ressuscité. Oh, il y en a qui ne veulent pas mourir. Mourir à ton ego. Le désir que tu as d'impressionner les gens, meurs à ça. Tu veux toujours impressionner, meurs. Tu veux paraître toujours, meurs. Il faut qu'on te voie, meurs. J'ai dit, meurs. Dis à ton voisin, meurs. Les gens qui ne meurent pas fatiguent, les gens font mourir. Et quand tu meurs, accepte quand on s'édalise. Ça veut dire quoi? On t'oublie. Quand quelqu'un est enseveli, on ne parle plus de lui. On a oublié. Il est au cimetière. Quand tu es enseveli là, on te voit. Toi, tu es encore là. Frère, quand tu es enseveli, on t'a oublié. Tu sentais mauvais, on t'a oublié. C'est là que Dieu s'intéresse à toi. Mais il faut d'abord mourir. Tu veux trop paraître. Toujours paraître. Toujours paraître. Qu'est-ce qu'on va dire de ma réputation? Meurs. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Meurs à ce qu'on va dire de toi. Trop d'orgueil. Trop d'orgueil. Pourquoi, vous savez, Dieu n'élève pas beaucoup de gens? Dieu résiste à l'orgueil. Satan élève les orgueilleux. Et puis après, Dieu va les casser lui-même. Mais dans sa maison, Dieu ne lève pas ce qui est orgueilleux. Donc quand Dieu t'élève, pendant que Dieu est en train de te lever, assure-toi toi-même de descendre. Volontairement. Qu'est-ce que j'ai dit? Avant que Dieu ne te casse, descends. C'est un effort que tu dois faire. Le plus grand chantier que tu dois travailler, c'est toi-même. Descends. Accepte de mourir. Il y a quelqu'un, si tu veux impressionner les gens, pourquoi? C'est ton orgueil. Quand tu chantes, il faut qu'on te voie. Quand tu parles, il faut qu'on te voie. Quand tu as un petit éclat, tu veux qu'on te voie. À peine tu as la petite bicyclette, tu étais à pied. Il faut pas mon agana bicyclette. Le jour où tu auras un 4x4, tu vas faire comment alors? La tête va quitter le corps. Oh! Si déjà tu es orgueilleux avec un petit, avec une petite bosse. Oh! Vous voyez, il y a des gens, ils sont orgueilleux avec... Bam, 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 bam. Puis tu dis, Seigneur, je veux la voiture. Dieu est trop sage, il dit, tu es fou. Ça va te tuer. Oh, si je parle à quelqu'un, dis amen. De toute manière, même si tu ne te sens pas concerné, la vérité entre toi et moi, tu connais quelqu'un que ça concerne. Oh, dis à moi, bon, amen. J'ai découvert, les amis, qu'on n'a pas toujours besoin de tout avoir dans la vie pour être heureux. Non, on n'a pas toujours besoin de tout avoir. On n'a pas besoin que tout soit parfait pour être heureux. Les gens qui sont morts ont appris à aimer Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Quand on est mort, on aime Jésus. Quand on a autre chose, on rend gloire. Quand on n'a rien, on rend gloire. Mais les gens qui sont morts à eux-mêmes, ils disent Jésus est mon tout. Jésus est mon absolu. Jésus est ma nécessité. Jésus est tout ce dont j'ai besoin. Moi, je n'ai peut-être pas d'argent, mais j'ai au moins Jésus. Oh, 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 ok, tu n'as pas compris de quoi je parle. Mais il y a quelqu'un qui a compris. Si c'est toi, donne-moi. Amen. Ah. Les gens qui ne sont pas morts veulent avoir Jésus à tout prix, mais avec beaucoup de choses. Non, ça, c'est après la résurrection. C'est la résurrection. Meurs. Et laisse-toi. Quand on terre, quand on oublie, les gens qu'on a enterrés, on ne se souvient pas d'eux. Quand on te voit, on ne te calcule même plus. Oh, mais je pensais que tu étais... Ah bon, tu es encore là. Oh, tu as encore envie. Oh, tu as encore... Oh, mais toi, ça veut dire que pour eux, tu n'existes même pas. C'est dans ce genre de situation que le troisième jour arrive. Quand... Écoutez, écoutez, écoutez-moi. Quand les Juifs
Les pharisiens ont dit, on l'a eu. Ouf, allons fêter la Pâque. Il est maintenant dans la tombe, c'est fini. Il a été enseveli, allez, laissez-le. Les juifs ont dit, allez. Ils ont dit, détachez-le, mets-toi de la tombe. Allez, la tombe, on l'oublie. Ils sont allés faire la Pâque maintenant. Les Romains ont dit, ce bandit, ce Nazaréen. Allez, on l'a eu, finis, on l'a eu, enterrez-le. Ouf, ce gars était une menace pour nous. Ce gars était un danger pour nous. Ouh, vendredi soir, vendredi après-midi, Jésus est crucifié et enseveli. On l'a oublié. Ouf, et c'est quand on l'a oublié? Il est dans le séjour des morts. Il est dans la tombe dans le séjour des morts. Il est enseveli. Et c'est là qu'on ne parle plus de Jésus. Quand on a oublié Jésus. Quand tout le monde est soulagé de ce qu'il est parti. C'est là que le dimanche matin, le troisième jour, alors que tu ensevelis, que la puissance de la résurrection, que la puissance de la résurrection, que la puissance de la résurrection, oh, reçois ces paroles de grâce. Ah, la puissance de la résurrection. Oh, Jésus est ressuscité après qu'il ait été enseveli. Oh oui mon ami, si tu acceptes de mourir, tu acceptes d'être enseveli, Dieu va te ressusciter, il va te ressusciter et il va te glorifier. Si tu reçois ses paroles, donne un bon amen. Ah. Ah oui. Ah. Dieu est le spécialiste de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Il y a des gens que Dieu va ressusciter ici parce que tu acceptes de mourir et d'être enseveli. Si tu reçois ces paroles, donne un amen pour toi-même. La qualité de ton amen détermine la puissance de la résurrection qui vient sur toi. Ah. Si tu acceptes de mourir, Dieu va ressusciter ta santé. Il va ressusciter tes affaires. Ressusciter ton ventre qui était malade. Ton ventre qui était stérile sera ressuscité. Avant la fin de cette année, tes affaires vont ressusciter. Ton travail va ressusciter. Oh, donne un bon amen. Il y a des carrières ici. Il y a des gens qui ont une carrière professionnelle que Dieu veut ressusciter. Mais avant cela, il faut accepter de mourir et d'être enseveli. Oh, il appelle les choses mortes. Il les appelle comme si elles n'étaient pas. Il les ramène à la vie par la puissance de sa parole. Gloire soit rendue au ressuscité Jésus de Nazareth. Oh, le Christ. Oh. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu as besoin de Jésus le Christ. Quand on a Christ, Jésus dans sa vie, en réalité, on a tout. Voilà, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Oh, quelqu'un dit amen. Acclame Jésus le Messie, le Fils, le Rédempteur, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, le commencement. Et la fin, le premier et le dernier. Gloire soit rendue à Jésus. Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus le Messie? Est-ce que tu es en train d'acclamer sa parole? Béni soit Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le temps est assez avancé. Je n'ai pas fini, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. L'essentiel, je crois, tu as compris quelque chose. Si tu as compris quelque chose, dis amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Dis amen. Si Dieu t'a parlé à ton cœur ce matin, lève tes mains et rends-lui gloire. Rends grâce à Dieu le Père, dans le nom de Jésus le Christ. Il t'a parlé par le Saint-Esprit. Rends-lui gloire. Lève tes mains là où tu es. Que tu sois assis ou que tu sois debout, lève tes mains. Dis Père, je te rends grâce pour la parole que tu m'as libérée, que tu m'as donnée ce matin. Cette parole vient à propos dans mon cœur ce matin. Si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, rends-lui gloire. Apprécie sa parole. Apprécie le Saint-Esprit qui a parlé. Car c'est poussé par l'Esprit. Ce n'est pas le pasteur qui parle. Le pasteur n'est rien. Le pasteur ne connaît rien. Le pasteur n'est que le micro derrière la voix de l'Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit.
que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a parlé, c'est l'Esprit de Jésus qui a parlé, c'est Jésus qui a parlé par son Esprit. Honore-le, remercie-le, bénis-le, fais-le de tout ton cœur afin que ce dépôt soit gardé dans ton cœur. Cette parole, tu la chérisses dans ton cœur. Rends-lui gloire, louange et appréciation. Honore sa parole. Rends gloire à Jésus de Nazareth. Il est le Sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a que Jésus qui sauve. Est-ce que tu peux l'acclamer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces? Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Reçois ces paroles d'encouragement. Refuse d'être empoisonné. Refuse d'être piégé. Refuse d'être piégé. Refuse de paraître. Refuse de paraître. Accepte d'être satisfait en Jésus le Messie. Gloire soit rendue à Jésus. Il est mon El Shaddai. Il est mon Dieu tout suffisant. Il est ma suffisance. Il est le Dieu de ma suffisance. Celui qui me suffit. Quand j'ai Jésus, je suis suffisant. Je suis satisfait en Jésus. À toi Jésus le Messie, Seigneur des seigneurs et roi des rois. À toi l'étoile brillante du matin. À toi Jésus le Christ, le ressuscité et le glorifié dans le ciel. À celui qui a été élevé à la droite du Père. À Jésus le Christ, soit l'honneur, la louange, la gloire. À la gloire de Dieu le Père. Béni soit ton nom, célébré soit la présence de ton esprit. Merci, glorieux Saint-Esprit, pour la parole que tu as libérée dans le cœur de mon frère et de ma sœur. À toi tout honneur et appréciation, Esprit de Jésus, nous t'honorons, nous te reconnaissons. C'est poussé par toi que les hommes parlent de la part de Dieu le Père et de Jésus le Christ. Reçois l'appréciation de nos cœurs, Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons rendu grâce. Si tu as rendu grâce à Dieu, fais entendre un amen d'action de grâce. Amen.